Chez Audi, on a pris son temps pour lancer le premier SUV coupé et encore, le Q8 ne poussait pas le concept jusqu'au bout. Ce sera donc pour le Q3 Sportback qui, lui, pour le coup, utilise les mêmes recettes que ses rivaux, les BMW X4 et les Mercedes GLC coupés, à quelques différences près quand même. Ce qui ne change pas, c'est la philosophie attendue de l'SUV. Avec sa ligne de toit tendue et son rayon très incliné, qui s'achève par une poupe fuyante, le Q3 Sportback mise avant tout sur le style, quitte à sacrifier des aspects pratiques. Il respecte ainsi les ingrédients traditionnels du secteur. Ça, c'est pour les éléments de design. Par contre, là où ce Q3 Sportback fait les choses un petit peu différemment, c'est qu'il n'a pas trop grossi. Ses rivaux ont tendance à prendre à peu près 10 cm dans la version coupée. Ici, c'est pas le cas, seulement 1,6 cm de plus en longueur. Plutôt pratique, le toit, lui, a été rabaissé de 3 cm, donc les proportions ont effectivement changé. Par contre, il y a une chose qui n'y a pas changé, c'est le volume de coffre qui culmine toujours à 530 litres. Ce volume lui permet de tenir tête aux 525 litres du BMW X4 et aux 500 litres du Mercedes GLC coupé, ses rivaux tout désignés. À bord, on trouve l'ambiance typiquement Audi du Q3 classique. On a sous les yeux des formes géométriques qui sont comme taillées à la serpe. Cela en est presque clinique, mais contribue à l'atmosphère sérieuse. Celle-ci étant renforcée par une finition de très bonne qualité. Il faudra se rabattre sur l'ambiance lumineuse personnalisable pour égayer cet intérieur. Si la vie à bord ne change pas pour le conducteur, les modifications portant sur le design ont par contre des incidences pour les passagers. Aux places arrière, effectivement l'accès est un petit peu moins facile parce qu'on perd 3 cm et la banquette n'a pas été rabaissée. Par contre, elle est toujours coulissante, même si elle ne le fait plus que sur 13 cm au lieu de 15. C'est moins pratique, mais en même temps, ce Q3 Sportback se veut surtout plus design. Pour les amateurs de déménagement, la banquette se rabat pour sa part au standard 2 tiers, 1 tiers. Niveau équipement, cet Audi Q3 Sportback est doté d'office des feux full LED, de l'amortissement adaptatif, du châssis sport rabaissé de 10 mm et de la direction à démultiplication variable. Il dispose des motorisations les plus puissantes de la gamme, avec une version essence 45 TFSI disposant du 2 litres de 230 chevaux, et de deux diesels 35 et 45 TDI motorisés par le 2 litres TDI décliné en 150 et 190 chevaux. Le petit 1,5 litre TFSI de 150 chevaux doté d'une micro-hybridation 48 volts sera disponible ultérieurement. Ce nouveau Q3 Sportback sera présenté pour la première fois au public en septembre au Salon de Francfort. On n'a pas encore les tarifs aujourd'hui, mais il faudra compter à peu près 2 à 3 000 euros de plus par rapport à un Q3 classique, en sachant qu'il est aussi mieux équipé. Il sera commercialisé dans la foulée et Audi espère en vendre 30% de tous les Q3. Et nous, d'ici là, on pourra en prendre le volant pour un test complet sur Caradisiaque.